Donc les refs ont ouvert tes portes. Ah. Alors, on va poser notre manteau ici. Hein? Fait penser, j'ai toujours pas retrouvé mes doigts qui me manquent. Hein? Ça peut pas les revoir à un moment donné? Ok, c'est pas un soulier qui atteste un truc de... Ah, oh, ok, ok. Moi, je sais pas savoir. Je sais pas savoir. Doudou. Bon, y'a rien que je peux ouvrir, rien que je peux gosser. Fine, fine. Les plantes sont mortes, oublie les arroser. Si tout va, mais si tout est encombré. Arrête de siffler! Ok, verrouillé. Parfait, parfait! Bon. Hello? Where are you, poupée chelou? Et on dirait que rien n'a fouillé. Habite tout le temps quelque chose. Interagisse. C'est des fleurs ou des bananes? I don't know. On dirait une belle petite charmante maison dans la forêt. Ah! Hello. Hello. On dirait qu'on va aller se faire servir du thé, man, tellement que ça a de l'air chill ici. Tu me dis qu'il y a de quoi qui va pas. Avant d'utiliser l'ascenseur, je voudrais aller checker quand même au deuxième. Parce que l'autre ascenseur m'a amené pas mal loin, je trouve. Laquelle des deux la plus mignonne? Je sais pas. Hein? Tu te réveilles tu? Non? Ah, ok. Monte barricadé, ça? Ça a l'air tellement simple. Ok, d'abord, on a levé d'abord. Bon. Qu'est-ce qui va passer dans cet ascenseur-là, Stur? Toujours rien. Hey, je l'ai-tu dit que c'était trop tranquille? Ça me semble c'est trop tranquille. Ah, un truc pour les films, genre. Oh. Un projecteur, toute la vieille affaire. Wow! L'alcaloïde des plantes de montagne. Ah, ok. On peut pas faire jouer un peu de musique. C'est bizarre. Il dit fripos et idiote. Rainbow Ruby, Left 4 Dead 2, salut. C'est bizarre comme maison. Il y a de la zizik. Oh. Oh merde. Si c'est simple que ça, ça m'étonnerait. Je t'appelle Fille Rose. Dis, tu veux pas rester avec moi pour toujours? Non, pour toute nuit. Quoi? Merde, où est mon arme? Ah, mais non, mais non, mais c'est pas correct ça. Je me suis fait piquer mes armes, et en plus, c'est verrouillé. Bon, ça y est, je suis pogné dans un escape game.
J'irai. Oh, tabouin. On se regardait. Il était en train de faire une... d'arranger genre une poupée de... Ah, oh. Oh, c'est quelqu'un qui s'est fait tirer dessus. Est-ce que ce mannequin, c'est Mia? Avec le nombre de balles qu'elle s'est fait tirer dessus, ton... Une clé. Attends-tu quelque chose? On va y retirer la jambe. Il y aurait quelque chose pour couper les bandages. Je peux pas juste les torser. C'est un argent, voilà. Pas un scalpel dans le coin. Je pense qu'il peut les couper. Oh non! Si je peux me cacher dans un placard, c'est pas bon signe, ok? Oh non! Tu sais ce que je peux me cacher par contre, Astor? Est-ce que je peux lui retirer la tête? Non. Peut-être l'autre jambe? Non. Ok. Enfin, plus que je trouve un code? Oh yo yo! Il voit la porte là-bas. Moi. Ah, ça je sais pas. Ok. Sorti dans un escape game. Hein. Il s'est mis la bouche. Ah! Un outil pour saisir, ouais. On va rincer la bec. Ah! 05 29 11. Voilà! Ok! On a pu sortir de ce coin-là. Pourquoi je trippe pas sur le fait qu'une porte s'ouvre? C'est comme une invitation à me faire violer. Tchao bye.
Cette boîte à musique est un souvenir de ma vie avec Ethan. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. Oh. Qu'est-ce que ça fait là? Clé de montage. Ah, ça par contre, je sais pas. Hein? Ok, ouais. On va voir. Non. Ça ne fonctionne pas. Quelque chose n'est pas à sa place. Oh non! Là. Ah voilà. Des pincettes. On va pouvoir aller chercher le truc dans la gueule de l'autre. Du mannequin. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faudrait se cacher maintenant. Voilà. Faut une clé pour celle-là aussi. Hein? Souvenir de famille, la meilleure amie de Rose. Elle aime beaucoup cette histoire. Ce qui compte le plus pour nous. Un cadeau de mariage offert par grand-mère. La preuve de l'amour éternel d'Ethan pour moi. Tu es obligé de te frotter sur le micro, Annabelle. Pas dalle. Ah, t'es pendu. Enceinte. Y'a rien d'interagissable avec ça? Non! On peut être fouillé et te fouiller dans la gueule. Ouais, on va y aller avec des pincettes. Examinez-le. Oh mon Dieu, non. Je ne peux pas le dire à Ethan. Tout, mais pas ça. C'est le corbeau. Le corbeau. Celle-là. C'est comme ça, hein? Elle semble bien. Il volait de ce bord-là, il se tenait pas droit. Voilà. Il manque le dernier affaire, là. Tabouère. Tu fais ta grosse têteuse, t'as pas de... Allez, même pas d'en face, s'il te plaît. Non, je pourrais mettre... la pellicule. Oh, t'as peur. Mais ami de Rose, c'est qu'elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous. Mais ami de Rose, elle aime cette histoire. Cadeau de mariage, présentation maternelle. Non, ça c'est pas le cadeau de mariage. Ok. I guess.
devrait fonctionner. Pas une petite fille dans un puits. Madame Mignonnet, la porte est ouverte. Ouh là là. Oh shit. S'il vous plaît, mademoiselle, veuillez rester tranquille. Ne bougez point. Ok. Oh shit, les ciseaux ici. J'essaie de... Ça, c'est pas bon signe, donc moi, si je peux me ouvrir les passages. Je commence à être un peu perturbé. Département des fous, bonjour. Je réponds avant qu'il sonne au téléphone. Ah. Tu parles. Je vous aime tous les deux, tellement fort. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je le fasse. Ah, c'est un mauvais deal. Ok, faut que j'aille chercher le bébé. Ok. Et c'est caché dans l'armoire, non? Bon, alors... Tout doux. Bon, on pourrait ciseauiller ça. Juste checker. Ok. Ça va pas aller. C'est du mauvais bon. Ah, je trouve qu'elle fait un drôle de bruit ta porte pareil. Tac tac. Et c'est le goût d'y aller, moi. Restez fermé. Oh si boire. Tu me donnes le goût d'y aller, toi. Oh, un fucking puits avec une petite fille dedans. Pas allumer ça, moi. Arrête d'être percé pour rien, toi. Oh fuck you. J'apprécie pas ça. Le truc électrique. Ah, merci. Bon. J'espère juste. Oh non, 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 non.
perso est pété, le bébé pleure.